1929 jusqu'à 1976, lors de la réforme sucrière, ils ont fermé pratiquement toutes les usines, sauf celle de Gardel et puis Marie-Arlande qui sont restées. Et puis jusqu'en 1979, l'usine a continué à fonctionner au niveau de la canne à sucre. Ils ont fait de l'agro-transformation, ils ont fait du lait, ils ont fait des élevages. Et puis après, c'est parti un peu. Non, c'est pas déraciné.